Les Nornir m'ont dit que tu serais ici. La corde est prête. Je l'ai nommé Gleipnir. Je parie que cette blessure a une belle histoire. Ce récit attendra. Merci pour la corde. Quand tu attacheras la bête, utilise toute la longueur. La corde s'étirera ou se contractera selon tes désirs. La bête sera-t-elle maintenue? Elle se débattra. Plus tu serreras la corde, plus elle sera résistante, et plus elle infligera de souffrance, jusqu'à plaquer cette bête au sol. Merci, Ivaldi. Tu peux partir. Et retourner à ma forge? Oui, jusqu'à ce que tu aies intégralement payé ta dette. Ce sont les nains qui ont fait du monde une échoppe. Au moins, nous vendons des marchandises, pas des hommes, monarque des esclaves. Je serais ravi de retourner sous terre, loin de ces cieux colériques. Tu es là ? Harvey, ta vue est un baume pour mes yeux. Mais qu'est-il arrivé au tien ? Un sacrifice pour une bonne raison. Est-ce que le loup est là ? Oui.
Il a grandi. Je lui ai tenu compagnie, mais il est dévoré par un chagrin que je ne comprends pas. C'est regrettable, mais nécessaire. J'ai su dès le début que ce loup n'amènerait que des ennuis. Il était par essence un animal bon. Mais notre méfiance et notre cruauté ont privé le pauvre loup de sa douceur et de sa vie. Le tuer serait faire preuve de bonté. Il aurait fallu se montrer miséricordieux plus tôt. Ce loup est devenu assez puissant pour mettre à l'épreuve nos deux forces. Je crains qu'il ne soit possédé par un pouvoir qui le rende éternel. Alors nous allons lui offrir un autre sort. Cette corde est indestructible. Tu dois le persuader de la porter. Elle servira de laisse, et sa puissante magie indiquera que le loup est bien maintenu. C'est une garantie pour les Aesir qui le craignent. C'est un signal, rien de plus. Il n'arrivera aucun mal au pauvre Fenrir. Fenrir, oui. Tu connais son nom. C'est Loki qui te l'a dit ? Oui, et c'est un beau nom. Oui, Bête des Marais. Un nom approprié à son sort. Fenrir ! J'ai une bonne nouvelle ! Laisse-moi. Je ne veux que ton bien, grand loup. Mais une crainte pèse sur Asgard. Les Aesir s'inquiètent de l'accroissement de ta taille et de ta force. Oh, vraiment ? Et de quoi devrait-il avoir peur, mon vieil ami ? Avi apporte un collier forgé par les nains. Une balise que nous pouvons suivre à distance pour savoir où tu es. Porte-le, et tu pourras vivre sans crainte en Asgard. Je flaire comme une aigreur. Tu portes ce collier, ou tu retournes au Jotunheim. À toi de choisir. Fils de Loki, ne t'ai-je point traité avec bonté ? Il y a un lien entre nous. Tout comme j'ai confiance en un roi, tu dois avoir confiance en moi. Voici ma main. En gage de bonne foi que tu la tranches si je trahis ta confiance. Entendu. Fais vite, Avi. Ça brûle. Avi. Mensonge. Hyperle. Oh. Avi. Tu resteras ici, Bête des Marais. Et toi, tu mourras ici. Fourbe perfide. Les frères s'affronteront, s'entretueront. Je parle par énigme. La demeure des dieux deviendra rouge. Rouge de sang.
sera un âge de tempête. Un âge de loup. Où as-tu entendu les mots de cette prophétie ? Sais-tu toutes ces choses ? C'est le récit que je me raconte chaque soir, dans le froid et le noir, avant de dormir, et de rêver que je dévore tes chairs. Let's go.
n'ai pas porté le coup fatal. Je n'ai donc pas failli à mes serments. Un autre que toi aurait succombé à sa haine. J'aurais bien volontiers agi autrement. C'était la seule solution, Avi. Nos destins sont écrits. Destin ou pas, tu as accepté un grand sacrifice, et cela pour moi. Ce n'était pas pour toi. N'imagine pas t'être gagné un nouvel ami par ta bonté, idole de bêtises. Je te tuerai, et je dévorerai tous les Aesir. Tu porteras peut-être le coup fatal, fils de Loki, mais je savourerai mes années de liberté avant de te revoir. Viens, mon ami. Les mains guérisseuses de Freya seront apaisées. Direz-vous ce que je redoute ? Pas dire, mais montrer. Une vision des temps qui viennent. Nul, vivant ou mort, n'égale à vie en arrogance. Te croire capable de modifier ta destinée. Malgré tes efforts et tes luttes, la trame du destin t'en sert toujours aussi fermement. Pourtant, de cette toile, un fil unique pointe et dépasse. Et s'accroche obstinément au tissage. Aesir, Vanir, votre sort viendra. La terre remuera, le soleil mourra, les Jötnar arpenteront vos rues, et le feu s'abattra sur vos têtes. Tandis que le grand loup Fenrir se répétera de votre sang. Mais vous avez trouvé le moyen de survivre à cette terreur, de tromper la mort. L'arbre de vie nous quittons. L'arbre de vie un jour nous regagnerons. L'esprit et la pensée rejoindront une époque par-delà la vôtre. Un temps où vous pourrez renaître. Nul ne doit suivre. Surtout pas Loki. C'est terminé. Il est temps d'affronter notre fin. Eivor, tu es réveillé. Avec d'autres choses à me dire, j'espère. Je suis retourné en Asgard. Et qu'as-tu vu ? J'ai attaché le loup Fenrir, le fils de Loki, à l'aide d'une corde impossible à briser. Cela a mis cette bête en rage, et nous nous sommes battus. J'ai triomphé, mais sans pouvoir la tuer. Tu rends visite aux légendes. Des choses que je n'aurais jamais imaginées réelles. Des paraboles qui, pour toi, sont des souvenirs. Chaque instant passé là-bas fut aussi tangible que notre présence ici, dans cette hutte. C'est magnifique. S'est-il passé autre chose ? J'ai pu voir une dernière vision des Nornir, l'avènement du Ragnarok.
Tout n'était que feu et cendres. Un chaos semblable à un vent venu du fond du Ginnungagap. Mais nous étions prêts pour la tempête à venir. Nous étions 8. Nous avons bu l'hydromel avant de nous lever et de marcher vers notre destin. Ce fut la fin de la prophétie des Nornir. Très étrange. Autre chose ? Il y a eu une trahison. J'ai trahi mon ami Tyr. J'étais là lorsque le grand loup l'a mutilé, en lui arrachant le bras. J'aurais pu dire quelque chose pour l'éviter, l'avertir du danger. Mais je n'ai rien fait. Qu'as-tu ressenti ? J'ai été insensible à sa souffrance, et mon indifférence ne m'a laissé aucun remords. Comme boire le poison aussi aisément que le vin. En effet, l'égoïsme peut laisser un tel sentiment. Qu'as-tu vu d'autre ? Rien qui semblait avoir du sens. Je vois. La signification de ces visions me paraît claire. Comme la première fois, la crainte de trahir pèse sur ton front. Odin a jugé bon de t'offrir le présent qu'est son savoir infini et le trésor de cette expérience. Mais peut-être s'agit-il d'un avertissement. Son indifférence est signe de malheur. Veille à ne pas suivre le même chemin, car tu risquerais de connaître la solitude. Un exil personnel encore pire que la mort. Je comprends. Du moins, je l'espère. Merci, Valka.